Bienvenue à tous dans notre premier invité de la saison que nous recevons aujourd'hui dans les plateaux flambants neufs de Médien TV. L'année scolaire 2018-2019 commence officiellement le 5 septembre pour les cycles primaires, secondaires et supérieurs. Une année scolaire qui s'annonce sous le signe du changement, voire de la métamorphose. Une métamorphose tant attendue par des millions de nos concitoyens. Pour représenter le ministère de tutelle, je reçois aujourd'hui sa directrice de communication, Fatema Ohmi. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, première question que beaucoup de personnes, notamment les parents des élèves, se posent. Est-ce que les établissements publics aujourd'hui au Maroc, tous cycles confondus bien sûr, sont prêts à accueillir les millions d'élèves attendus donc pour cette rentrée? Tout à fait. Donc cette année, les préparatifs concernant la rentrée scolaire, ils ont commencé très tôt dans l'année. Donc toutes les opérations concernant soit la construction de nouveaux établissements scolaires, soit l'extension, soit la mise à niveau des établissements scolaires, ils ont été, on va dire, entamés par les académies régionales de l'éducation et de la formation à partir du mois de février. Et donc tous les établissements sont prêts à accueillir les élèves et les enseignants et le corps administratif, bien évidemment. Alors, on parle de prêt à accueillir, il y a aussi des conditions dans lesquelles ces élèves-là seront accueillis. On connaît tous l'état, malheureusement, de l'école marocaine. Je parle ici de l'état des classes. Je parle aussi, tout simplement, des installations sanitaires quasiment inexistantes, notamment dans le milieu rural. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est où dans ce changement-là par rapport aux conditions dans lesquelles nous accueillons, ou l'école marocaine accueille ses élèves? Alors, il faut rappeler que déjà, à partir de 2009, dans le cadre du programme d'urgence, il y a des efforts considérables qui ont été déployés pour améliorer les conditions de vie au sein des établissements scolaires, pour construire de nouveaux établissements scolaires. Et donc, ces efforts ont été, on va dire, continués dans le cadre, bien sûr, à partir de 2012-2013. Et l'année dernière, vous vous rappelez, il y a eu une opération très importante de réhabilitation des établissements scolaires et d'embellissement des établissements scolaires qui a permis justement d'améliorer ces conditions, que ce soit au niveau, on va dire, de l'embellissement de l'établissement dans sa globalité, mais également de l'amélioration des conditions au sein des classes avec le renouvellement du mobilier scolaire, que ce soit les tables, les chaises, les bureaux pour les enseignants. Cette opération a été renforcée cette année et cette rentrée scolaire va connaître justement, a connu, on va dire déjà parce que c'est demain la rentrée, a connu la réhabilitation d'un nombre important des établissements scolaires. Il y a aussi un effort considérable qui a été fait dans le cadre de la mise à niveau des sanitaires et du branchement à l'eau, à l'électricité, notamment dans le monde rural. Et je pense que dès le démarrage de l'année scolaire, le ministère va communiquer à l'opinion publique toutes les données chiffrées concernant ces aspects-là. Et tous ces efforts qui ont été faits, que ce soit sur le plan quantitatif, mais aussi qu'est-ce que ça a demandé en termes de budget pour mettre à niveau ces établissements scolaires. Vous avez évoqué le terme de continuité. Oui. Donc cette opération a commencé en 2009. Je voudrais juste revenir à ce rapport de la Cour des comptes qui soulève justement cette question de continuité dans les programmes du ministère de l'Éducation nationale. Beaucoup de ministres se sont succédés donc à la tête de ce ministère et les magistrats même de la Cour des comptes ont relevé cela. Chaque fois, c'est un nouveau programme. On n'est pas dans la continuité. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de se baser peut-être sur des programmes qui ont déjà été établis, commencés, mm-hmm, et puis aller dans cet esprit de continuité? Alors, juste il faut préciser qu'il y a des programmes dans lesquels il y a une continuité de par la mission du ministère. On ne peut pas les arrêter, on ne peut pas revenir en arrière. Parce que ça fait partie intégrante de la mission du ministère, il y a des programmes qui sont revus ou qui sont, on va dire, arrêtés et pour lesquels on fixe de nouvelles orientations en fonction, bien sûr, du programme gouvernemental et des orientations du ministre. Mais justement, cet aspect-là, il va être, on va dire, définitivement résolu grâce au projet de loi cadre qui, justement, vient pour acter les orientations stratégiques
du système d'éducation et de formation pour la période 2015-2030, ce qui va permettre de garantir cette continuité malgré les changements politiques qui peuvent survenir avec les changements des ministres au sein de ce département. Madame Ouemi, sur les réseaux sociaux, beaucoup de rumeurs sur des changements, certains même évoquent le terme de radicaux, des changements radicaux sur les programmes des manuels scolaires. Qu'en est-il au juste ? Alors, il y a eu, vous savez, à partir de 2015, et dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030, nous avons commencé des opérations de, on va dire, de révision des manuels scolaires, et notamment à partir du cycle primaire, qui constitue, selon même la vision stratégique 2015-2030, on va dire, le point de départ de la réforme. Parce qu'on peut pas, on s'est rendu compte que les acquis des élèves dans le primaire sont très en deçà, on va dire, des objectifs fixés. Et dans ce cas-là, il fallait, bien sûr, commencer par le primaire pour pouvoir améliorer la qualité du système d'éducation. Donc, on a commencé une opération de révision, tout d'abord, des curricula, du curriculum du primaire. Donc il y a eu un nouveau curriculum amélioré et bien évidemment quand on fait des changements dans le curriculum, on est obligé de revoir les manuels scolaires. Et donc chaque année, on fait des améliorations des manuels scolaires. Et cette année encore, il y a 23 manuels scolaires qui ont été révisés. Compte tenu bien sûr des orientations pédagogiques qui ont été faites. Ce qui est échangé sur les réseaux sociaux concernant certains manuels scolaires et l'utilisation de certains noms propres en langue dialectale, ça a été fait justement. Premièrement, il y a des manuels scolaires, donc il y a le manuel de deuxième année primaire, dans lequel on a utilisé des noms propres de repas marocains, de vêtements, etc. C'est dans un souci pédagogique, purement pédagogique, pour justement utiliser des exemples que l'élève connaît déjà, qu'il utilise dans sa vie quotidienne, ils vont permettre de le motiver pour pouvoir apprendre plus facilement. Pour le deuxième cas où on parle d'un exemple de calcul avec des chiffres en dialectal, avec un mélange de français et de dialectal, ça, ce n'est pas un manuel scolaire qui est accrédité par le ministère. Il ne figure pas parmi les listes des manuels scolaires accrédités. Et donc, c'est certainement un livre scolaire qui est complémentaire et qui ne fait pas partie des manuels scolaires, de la liste officielle. Qu'en est-il du calendrier, justement ? Comment ce calendrier de la rentrée des élèves a-t-il été établi cette année ? Alors, déjà, il faut rappeler que le calendrier de l'année scolaire, il est élaboré, on va dire, à la fin de l'année scolaire précédente. Donc, au mois de mai, déjà, le ministère, il a publié le calendrier de cette année, donc, qui commence tout d'abord par, la rentrée. Donc, hier, il y a eu les cadres administratifs, ils ont rejoint leur établissement scolaire, notamment les directeurs d'établissement et tout le staff administratif qui travaille au sein des établissements scolaires. Aujourd'hui, les enseignants vont signer les PV de rentrée et demain, c'est le début des cours dans tous les établissements scolaires. Et bien sûr, il y a tout le calendrier de l'année scolaire avec les vacances, les périodes d'examen, les périodes d'évaluation. Donc il n'y a pas vraiment de changement. On reste sur la même base que celle de l'année scolaire dernière. En général, il n'y a pas de grand changement, mais le ministère, dans le cadre de la vision stratégique 2015-2030, va bien sûr retravailler sur les rythmes scolaires et revoir, améliorer le calendrier scolaire. Je souhaiterais terminer cette entrevue, Madame Ouemi, avec ce slogan que le ministère a choisi pour cette rentrée 2018-2019, l'école de citoyenneté. Quel message votre département souhaite-t-il véhiculer à travers ce slogan ? Alors, à travers ce slogan, on vise tout d'abord à sensibiliser l'ensemble de la société sur la nécessité que l'école doit, toutes les parties prenantes dans l'école, que ce soit les enseignants, les élèves, le staff administratif, mais également les familles, les partenaires, doivent adopter un comportement citoyen envers l'école. Ça d'une part. D'autre part, l'école, c'est le noyau de la citoyenneté parce que c'est là où les élèves apprennent
à être citoyen. Et donc, il faut que tout le monde puisse se mobiliser pour que justement l'école redevienne ce qu'elle était et qu'elle puisse. Concrètement, comment on peut justement inculquer cela, cette notion de citoyenneté qui peut être un peu perdue au sein de. Il y a déjà les élèves, ils ont des cours dans le cadre de leur, on va dire, de leur apprentissage. Ils apprennent comment être citoyen à travers des cours. Mais il y a également les activités parascolaires. Donc, il y a des clubs de la citoyenneté dans les établissements scolaires qu'on va développer davantage. Il y a bien sûr tout le travail qui se fait avec la société civile, avec les partenaires, avec la famille, etc., pour justement développer cette citoyenneté et faire face à tous les, on va dire, les comportements qui sévissent un peu dans nos établissements, notamment la violence en milieu scolaire et d'autres comportements. Et il y a pour cela, il y aura également une campagne de sensibilisation qui va être menée en collaboration avec l'ensemble des partenaires pour sensibiliser davantage par rapport à tous ces phénomènes qui nuisent à l'image de notre école et qui font que, on va dire, l'école n'est plus ce qu'elle a été auparavant. Certainement donc, pas. Tout le monde doit se mobiliser donc, pour qu'on puisse justement faire de notre école une école de la citoyenneté. Très bien, merci beaucoup Madame Wahmi pour l'ensemble merci de vos éclairages. Et bien sûr, je me joins à vous pour souhaiter une excellente rentrée à tous les écoliers, lycéens, collégiens marocains qui s'apprêtent donc à entamer une nouvelle année scolaire. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur Média TV, Média TV Afrique.